Nickel. Bon, j'ai mon vélo. Alors, mon vélo de factrice, comme quelqu'un me l'a fait remarquer, parce que j'ai choisi le jaune. Donc, bah, je suis prête pour ma nouvelle aventure à la poste. Le fameux vélo jaune. Je sais plus ce qu'on était en train de faire, mais je crois qu'on partait en direction d'un nouveau village. Dirigez-vous vers le sud en empruntant la piste cyclable. C'est exactement ce qu'on va faire. Alors par contre, j'ai un problème de... Quand je roule à vélo, je rentre dans les gens. Voilà. Je suis un danger public de la roue, de la piste cyclable. Oh, mais mon vélo a disparu. Ah, Luca. Mais je crois qu'on l'avait déjà vu celui-là. Tu peux changer la vitesse avec le bouton B. C'est compliqué, la seule chose qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que la blockchain est un outil qui te garantit ce qui est dedans, ne peut pas altérer, tout en étant décentralisé, c'est tout ce qui compte pour comprendre pourquoi. C'est une techno qui peut tout révolutionner. Alors pourquoi les gens font du caca avec? j'avais dit quoi? J'avais dit gauche. Il me semble que j'ai fait ça. Ai-je vraiment bien sauvegardé du coup? Aucune idée. Évidemment que j'ai une Pokémon Luca, puisqu'on en a déjà parlé la dernière fois qu'on a joué à Pokémon. Le radar à objets. Et j'avais dit, oh, super cool cette application. Mais on s'était vraiment, vraiment arrêté là. Ouais, mais j'ai déjà du mal avec la vitesse actuelle et je crois que je suis au mini, genre. Allez à Union Police. Voilà, là, on est d'accord. Union Police qui est ici. Bon, écoutez, c'est parti. Je vais remonter sur mon vélo. Préparez-vous en cas d'accident. Mettez votre casque. Ma bicyclette. Ah, j'aurais dû... Attendez, je vais l'assigner un bouton. Ce sera beaucoup plus pratique, en vrai. À la place de ce carnet d'aventures moches. Que je ne lis jamais. Peut-être cherche combat aussi, on va la signer ici. Je vais me retrouver à cliquer sur des trucs, ça va lancer des choses. J'ai assigné des trucs, je sais pas si c'est opti, mais pour le moment je trouve ça opti. C'est parti. Ah! Et si on descendait là? Cette pente, regardez, ça, je passe sur ça avec mon vélo, non? Youhou! Oh, la galère. Oh! Salut! T'es tombé? Dans le trou? Ah, il faut changer de vitesse sur la bicyclette. J'ai dit, là, on rapproche de 11h30. Tu n'as pas trouvé le PSJ qui te donne la canne? Ma canne à pêche? Non? J'aurais déjà dû la voir. J'ai peut-être pas parlé à tous les gens. Mince! Vous voulez dire que je pourrais pas pêcher mon Magikarp? Attendez, il faut que je fasse un petit point. Oh, bordel! Dites-moi où j'ai raté ma canne à pêche du coup. Je reviens.
Yep. Coucou. Ah, vous... Du coup, j'ai raté où était mon vélo et vous avez tellement de chat que je sais pas où il est. Mais c'est super intéressant votre débat, mais je vais vous laisser parler entre vous parce que j'ai raté le début. Il faut changer de vitesse sur la bicyclette pour grimper cette pente. Mais je peux prendre les escaliers, moi. Opération couche, c'est check. Comment ça, il n'y a pas d'escalier? Ah, je visais... Oh! Oh oui, regardez, je suis en galère. B. Et là, la puissance de la bicyclette. Voilà, je vais trop vite, je vais trop vite. On ne peut plus m'arrêter. Là, hop, là, je suis en petite vitesse. Bon, je vais vers Unionpolis ou je dois faire demi-tour parce que j'ai carrément oublié ma canne à pêche? Bon, en même temps, si je fais demi-tour, ça veut dire que je repasse par la piste cyclable où j'arrêtais pas de rentrer dans les gens et dans leur vélo. L'avantage de Pokémon, c'est qu'on peut jouer à une main. Enfin, du coup, c'est hasardeux quand on roule, mais... Ouais. Coucou, Escape. Ultia, quand elle va revoir PPC, il parlera. Ce rythme. Oh. Est-ce que je vais chercher cet objet ou est-ce qu'on a la flemme de passer par les fougères? On descend. Je pensais pas ouvrir un débat hyper intéressant et pertinent sur... Sur le NFT... Oh, c'est pas mal ça. On va le capturer. Il est niveau 5. Il est niveau 5, je pense qu'on peut tenter la Pokéball instantanément. Allez, 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 Machoke. Yes. Est-ce qu'on le garde dans notre équipe? Bon, il est clairement de niveau très très inférieur. Franchement, j'aime bien ma team comme elle est là. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais le mettre dans l'ordinateur. Oh, le prochain Pokémon qu'on attrapera, on l'appellera Ultia. Comment on va appeler celui-ci? Parce qu'on sait déjà ce que c'est, donc on n'a pas de surprise. On va l'appeler... Thibaut InShep. Allez! C'est validé. Moi, je valide. Bah, on va l'appeler Thibaut parce que... Pas beaucoup de mains. Ouais. Thibaut. Ah, qu'est-ce que tu fais, Ninou? Ah, ah, ah. Je suis pas un... Je suis pas ton tapis d'éveil, hein. Si tu te tournes là, on est mal. Ah, c'est parce que tu veux... Tiens. Toi, t'as ta manette. Et maman, elle a sa manette. Bravo. Je le conditionne. On l'envoie dans la boîte PC. Pokémon, je vous recommande à une main. C'est cool. Un jeu... C'est worse. Un racaillou, mais on a ça. Ça, c'est étoile. Franchement, s'il est niveau 5, c'est même pas la peine de l'affronter, quoi. Niveau 6. J'ai pas le temps, moi. Wait. Oh. Et on gagne une Pokéball, tandis qu'on vient d'en dépenser une. Bah, c'était worse, on a bien fait de s'arrêter là. J'ai jamais vu la gueule d'un Pokémon Shiny, vous savez.
Et celui-là, il est pas. D'ailleurs, je sais pas trop comment on les reconnaît. Ils sont d'une couleur différente, non? On va l'atomiser. Pourquoi celui-là, j'ai pas pris la fuite? Parce que j'avais envie de l'atomiser. Par contre, j'ai un bébé super attentif, là. Quand un shiny pop, il sentit différemment des autres. Oh, bravo, tu as gagné ton combat. C'est pose mouette. Je tape pas les cailloux, moi. Je les laisse vivre en liberté. Allez, on prépare la vitesse pour monter. Vous m'avez pas dit pour ma canne à pêche. C'était forcément sur une zone où on est passé. Tu chantes, tu chantes. Il est trop mignon, il tient sa manette. Comme si c'était à féliciter. Attends. C'est pas ce que je voulais faire. Carte. Féliciter. Ah c'est... Bah c'est... Ah bah attends. On peut y aller alors. On peut y aller si je descends par là, je crois. Charbourg. Grâce à mon vélo. D'ailleurs, c'est pas dans ce truc que... Ah si, c'est là qu'il faut faire du vélo. C'est là-bas où il y avait des tremplins. On y retourne. Bam, 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 bam. On va aller faire... des jumps avec notre bicyclette. Racaillou sauvage. Non, ça nous intéresse pas. C'est dur de contrôler le vélo à une main quand même. Doum, doum, doum. Doum, doum. Ça, c'est Nosferapti. On l'a déjà. On l'a déjà et ça nous intéresse pas, quoi. Voilà. Jette ta manette, comme ça. Ah, c'est... Oh, Bébou PPC, il a bien poussé, hein. Contrôle... il a sa petite manette, là. Il s'entraîne pour capturer des Pokémon plus tard. Ah! Maman... Oh! Il y a des psychoquettes dans les mines? Je l'ai pas, je crois que je l'avais raté parce que je l'avais tapé trop fort quand je l'avais rencontré dans les souterrains. Pokéball, go! Allez, on croise les doigts, on va choper Psycho Quack. Oui, trop facile ce jeu. C'est Ultia. Bon. J'avais dit, hein, le prochain qu'on capture... Oupsi. Bon, elle est mignonne, moi j'aime bien. Moi j'aime bien Psycho Quack. On aime bien les canards ici. Qu'est-ce que t'essayes de faire? T'essayes de m'escalader là. Que voulez-vous faire d'Ultia? Moi, je... Désolée, mais PPC est plus fort. Regardez la puissance.
Aïe, aïe. Il me contrôle et rythme mes pas. S'il me portait. Heureusement, c'est pas mes cheveux, mais c'est... il faut à tout prix qu'on lui achète un câble comme ça pour son Yule. Le chat est envoyé dans la boîte PC. Bon, attendez, il faut que je donne un blast pour le prochain Pokémon, c'est Mevy. Attendez, j'essaye de jump. Youhou, waouh, incroyable. Un casse-brique. Mevy parce qu'elle a offert plein de subs. Aïe. Aïe. Non, ça on a déjà. Voice. Je sais pas qui tu seras par contre, hein. Ça fait partie de... Ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Cuite. Cuite. Bon bah du coup on a fait le tour, il fallait juste récupérer ça en fait. Je vais prendre ma canne à pêche. Mais c'est Caillou qui repousse, ça me bute, hein. Oula. Pourquoi j'ai eu un gros plan de ma personne pendant le lancement du combat? Étrange. Bon bah, on se casse. Aïe. Deux IV max? Hein? Capture-le. Quoi? Pourquoi il fallait que je le capture? C'était pas un shiny? Pourquoi il fallait que je le capture? Quand ton perso apparaît avant un combat, ça veut dire que c'est un bon Pokémon. Je comprends pas. Pourquoi? Enfin, pourquoi ça veut dire que tous les autres que j'ai capturés avant, ils sont nuls? C'est ça que vous êtes en train de dire? Ça veut dire qu'il est plus fort que les autres. Ah bon? En gros, il a de meilleures stats de base que les autres, mais on s'en fout, il est niveau 5. Enfin, je sais pas, ou alors je passe à côté d'un... Ouais, c'est sûr que du coup, quand il sera niveau 25, il sera forcément peut-être mieux, mais... Est-ce qu'on va jouer des racailloux? Sérieusement? Je crois pas, non. Je me disais aussi que c'était bizarre qu'on voit mon personnage, que d'habitude on le voyait pas. Attends, en fait... Faut que je lui installe son parc. Je pourrais te faire un exposé sur les IV et les EV, mais bon, osez pour l'aventure. Ouais, mais ma Grolem, c'est un bon Pokémon, Nao. Je savais pas, moi, il y a tellement de subtilités. Tellement de subtilités, donc ok. Donc je dois capturer dès que j'apparais avant. Ok, s'ils ont des étoiles, on capture. Capture tout, en fait, comme ça on est sûr. On est à féliciter. Et donc, ici, quelque part, une personne vend une canne à pêche. C'est lui, je pense. Près d'une fontaine. Non, pas du tout. Les studios de la télévision. C'est le but du jeu de tous les capturer. Ouais, mais quand on l'a déjà. Moi, mon but, remplir mon Pokédex à minima. Oh, il
peut-être. Oh. Bonjour madame, je suis Romain Avril, mais la station MEM n'est pas encore ouverte au public. Elle vient de me jarter là. Je veux... C'est la videuse. Elle me laisse pas rentrer. Privé de sortie. Privé de soirée. On peut pas rouler à vélo dans la ville? Alors attends. Remonte la route qui passe horizontalement. Là, va à gauche. À gauche. Ah ah ah. Si j'avais un marteau. Ou bien une canne à pêche. Je suis à gauche, hein. C'est tout l'effet que ça te fait. Ah, je suis pas allée assez à gauche. Oh là là. Mon dieu. Ah! C'est la douane? C'est lui! Ah, oh, tu vois aussi, tu aimes les cannes à pêche. Oui! Oh, je vois que nous sommes sur la même longueur d'onde. Permets-moi donc de t'offrir cette magnifique canne. Ah, nice. Donc là, à partir de maintenant, je peux pêcher, c'est ça? Partout où il y a de l'eau! Oui. Passe-toi d'abord face à un point d'eau, puis utilise ta canne à pêche. Ensuite, concentre-toi. Quand un point d'exclamation apparaît, remonte vite ta prise. Attendez, je m'en vais mettre ça dans mes slots. Canne à pêche. Nous allons la signer. Ici. Tous les points d'eau qu'il a dit, hein. Ouais. Je m'en vais tester ça tout de suite. On m'a menti. Tous les points d'eau, mesdames et messieurs. Ouais, bah... moi, je vois juste qu'on m'a menti, quoi. C'est tout ce que je retiendrai. Non, je me suis trompée de... Mon vélo, là. Rendez-moi mon vélo. Bah ouais, j'arrive pas à mettre mon vélo, Ninou. Pourtant, c'est bien mon raccourci rapide. Pourquoi ça me fait monter? Est-ce que je peux pas faire de vélo ici? D'accord, ah ouais, d'accord. Trop bizarre. Mais c'est bon, on y est, c'est toi. Là, on a un Lixi sauvage. Bon, là, on s'en fout. Il joue, hein. Ne vous inquiétez pas, aucun enfant n'est maltraité. Il est en train de s'exprimer face à une... La petite maison, là, il doit lui dire des petits mots d'amour. Pouit, pouit. Vroom, vroom. Poussez-vous, je suis attendue à Union Police. Ah, j'étais déjà en full vitesse. Ok, go. C'était sans compter le... qu'on se fasse demande de combat. Ouais, il parle. C'est la petite maison d'ailleurs que Ultia Ponserive lui avait offert. Tu lui as une main. Bon, au moins j'avais une excuse. Oh, cool. PPC part sur le Ponita. Et bon, pas chirurgie, mais c'est pas très efficace, quoi. Le twitling, le lien de l'outil pour déterminer la case à barpo. Mais ça, c'est... J'y suis pas encore, je pense. Si. Aïe! Comment ça, c'est super efficace?
Vous allez voir, moi je vais vous faire un petit coup de karcher. Allez, boum, Ponita, ça dégage. Moi j'en suis loin. Moi je crois que petit pois carotte commence à graille son... son arche là. Maintenant il attrape bien les trucs, c'est ouf. Par contre, à quel point ça a changé quoi. Petite bulle d'eau dans sa face là aussi. Allez PPC. Aïe. Alors, c'est au PPC du jeu que je parle en fait. Oui, je vois que t'es à fond là, y a pas de problème. Bon. C'est compliqué hein, de le jeu vidéo ludique. Gérard, le fan de camping, et Suzy. Oh non, on a perdu. Oh mon bébé d'amour. Oh là 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 là. Oh. Ta faim est à mal au dents. Ta faim est à mal au dents. Pou 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 pou. Pou 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 pou. Ah ça c'est rigolo. Ah ça c'est trop rigolo. Ça c'est trop rigolo. C'est beaucoup mieux que Pokémon ça. Moi je suis un vrai Pokémon dans la vraie vie. J'attaque éclair. Attaque. Il va attaquer. Attaque trampoline. Aïe aïe aïe. Aïe. On va sauvegarder du coup hein. Attaque vomi. Sauvegarder la partie. On a joué combien de temps là? 2 minutes. J'ai l'impression que cet épisode de Pokémon, c'était mon GR34 à base de on est parti partout dans tous les sens. Mais fondamentalement, on a commencé ici, hein, et on finit là. C'est ça? C'est ça? Oh là là. Il est temps que tu puisses te faire garder, hein, pour que maman elle puisse geek un maximum.